venons de terminer donc la rencontre des présidents du G5 avec la chancelière allemande Angela Merkel, qui a été une rencontre de discussion France sur la situation de la lutte contre le terrorisme, aussi bien dans le Sahel que dans le bassin du lac Tchad. Nous avons passé à revue l'ensemble des questions qui concernent aussi bien l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel, notamment dans sa phase de montée en puissance, les questions qui concernent également les engagements qui ont été pris de part et d'autre et les questions de procédure qui aujourd'hui entachent un peu la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Nous avons également parlé de la situation africaine et notamment dans ses différentes composantes, à savoir la question de la Libye, la question du Soudan, la question de l'Algérie et l'impact surtout de la crise libyenne sur la sécurité dans la sous-région. Et nous avons pensé qu'ensemble, il était important qu'elle use également de son leadership, aussi bien en Europe que dans les autres institutions, pour faire un plaidoyer en faveur du G5 Sahel sur l'ensemble de ces questions qui sont des questions de préoccupation. Nous avons dit qu'au-delà des questions militaires, il y a les questions de développement. Cela aussi est important. Le G5 a aujourd'hui 5 ans et il est important que sur le terrain, aussi bien de la sécurisation des populations que sur le terrain également du développement économique, les peuples du Sahel sentent que quelque chose se met en route. Et cela est important. C'est pourquoi j'ai dit, les discussions étaient franches et nous nous sommes expliqués. Nous nous sommes engagés chacun de ce côté à travers ce que nous recherchions les meilleures solutions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Des propositions ont été faites qui nécessitent certainement d'être rediscutées et préparées avant d'être annoncées. En tout état de cause, je voudrais en tout cas, en notre nom à tous, la remercier de sa disponibilité, son écoute, et remercier également l'ensemble des chefs d'État du G5 pour avoir pris leur temps, parce que c'était un emploi du temps un peu chargé pour être là avec nous pour participer donc à cette discussion.